Zamim, dans la vidéo, vous allez connaître tout le pays qui a plus de dans le monde. Et ça va être tellement utile. Ça va être une nouvelle expérience pour vous dans la vie. Vous connaissez tout le temps à parler de l'eau, de l'eau, chaîne, l'eau, bague, l'eau. Tout le monde peut marier sur la question de l'eau. Vous mettez ceci, c'est la chaîne, l'eau, l'eau. Vous comprenez l'eau, tout le bagaille. Bon, dans la vidéo, ça. Bonjour et bonsoir tout le monde. Parmi les pays qui ont plus de dans le monde, là, j'ai comme numéro 1 qui c'est Australie qui gagne 11 000 tonnes de l'or. Comme numéro 2, j'ai la Russie qui gagne 6 800 tonnes de l'or. Comme pays numéro 3, j'ai Sud-Afrique qui gagne 5 000 tonnes de l'or. Comme pays numéro 4 qui gagne plus l'or, j'ai États-Unis à 3 000 tonnes de l'or. Comme pays numéro 5, qui gagne plus l'or dans le monde, là, n'a besoin Indonésie à 2600 tonnes de l'or. Comme pays numéro 7, numéro 6, dis-je, n'a besoin Brésil à 2400 tonnes de l'or. Comme pays numéro 7, n'a besoin Canada qui gagne environ 2200 tonnes de l'or. Comme pays numéro 8, n'a besoin la Chine qui gagne environ 2100 tonnes de l'or. Comme pays numéro 9, nous avons un Pérou qui gagne environ 2000 tonnes de l'or. Et comme pays numéro 10, nous avons Ouzbékistan qui gagne 1800 tonnes de l'or. Ça, c'est la dernière date qui a à peine posté dans le monde global de l'or. Et pour nous tout, il y a quelques pays qui sont très destacants dans les pays d'Amérique latine, comme pays qui gagnent plus l'or. Tant que parmi les pays, nous avons le Brésil qui gagne première place dans l'Amérique latine. Nous avons comme deuxième pays, nous avons l'Argentine. Et comme troisième pays dans l'Amérique latine qui gagne plus l'or, nous avons le Pérou. Et aussi, nous avons dit que malgré tout ça, nous avons que le meilleur producteur de l'eau dans le monde, c'est la Chine.